Les ministres de tout temps ont été et de toute formation politique connue ont été dans des cocktails de financement. Si tout le monde est d'accord, moi je suis prêt à ouvrir cette discussion-là comme ministre des Institutions démocratiques. Tant qu'il n'y aura pas d'entente avec les autres partis, euh, avec le directeur général des élections, bien il ne va plus y avoir de dons politiques à la CAC. Alors, ça monopolise l'attention médiatique hein, depuis mardi, cette question des euh, cocktails de financement à 100 Le premier ministre qui avait promis de s'exprimer aujourd'hui, ça frappe frappé fort. La CAC fait carrément une croix sur le financement populaire. Nos analystes sont là, Paul, Mario et Emmanuel. Bonsoir, à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que M. Legault a tiré une mouche avec un bazooka? Est-ce que c'était la manière de mettre le couvercle sur la marmite ou c'est une réaction de panique, comme le disent les oppositions, Mario? Ben, J'ai passé la semaine à dire que c'était pas un vrai scandale. <laughs> c'est si tu... une mais chance. Non, mais, chance? <laughs> non, non, mais pour, vrai, pour vrai, si tu poses un geste structurel qui change la vie de la CAC pour la prochaine décennie parce que tu as eu deux mauvaises journées d'un journaux, c'est pas une bonne décision. Là. Moi, je pense que, dans... au fil des années, la CAQ va se taper à tête ces ses murs de la décision qui a été prise aujourd'hui. Et de toute façon, tu peux jamais prendre une décision fondamentale, structurelle, qui transforme carrément ta vie de parti... On pas, 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 pas prendre ça dans une nuit. C'est quelque chose qui a réduit être prix mmh. sur une saison, terminé par un congrès, après une réflexion où tu pèses les tenants et aboutissant de ça. puis tu sais, je pense aujourd'hui, penser avec ça, qu'ils allaient mettre les partis d'opposition dans l'embarras, ils ont tous dit, ben non, nous, on va continuer, oui, fais ce que tu veux. Puis, ben, Donc, c'est ouais. raté solide, là. Oui, Emmanuel. Ben, c'est comme si le gouvernement avait voulu servir la monnaie de sa pièce à l'opposition. Mmh. Faites un scandale sur les 100 pièces, ben quest ouais, toi, on va les enlever. Ceci étant dit... C'est tellement, tellement euh, ridicule pour une multitude de raisons. Mmh. De un, ça ne mmh. met pas un couvercle sur la marmite. Parce que là, il va falloir avoir un débat là-dessus. Puis il va falloir que Jean-François Roberge je con consulte les partis d'opposition. Puis là, on va traîner ça. Là, ça va revenir encore et encore. Il y avait mille façons de régler ce problème-là. Mmh. Prendre la parole, dire écoutez, c'est une maladresse, on a envoyé une directive. Maintenant, il va y avoir une seule formule pour les invitations. Puis en passant, on va regarder tous nos livres, puis on va faire tous les cas mm -hmm. où il y en a eu une erreur ainsi mm -hmm. de commis on va T'sais, il aurait pu faire pas ouais, de il aurait aura, pu, aura pu dire que les... que les que ne mères payent pas quand elles rentrent dans des cocktails mm. Mais là, c'est comme des micro -mesures. Réinventer la démocratie sur un sur un coin de napkin. Ouais. Et mais... Paul, je, je vous rappelle oui. les chiffres là, de, de, de bon sur les sommes amassées là, en 2023, ce financement dit populaire là, c'est presque 830 dollars pour la CAC et le PQ suit là, pas ouais, très loin là. C'est ça. Et les partis de qui vont continuer, eux, il y a pas question pour eux de tomber dans, ouais. dans le piège que, que leur... enfin fait, dans, dans la proposition, tu sais, je vais être gentil que, que, le, que leur faisait la CAC. Mais mais le vrai chiffre à avoir en tête, c'est pas celui-là, c'est celui -là, que, que les partis politiques la, euh, comme argent reçoivent en fonction du, des, des derniers résultats. Mmh. Et c'est là qu'on voit que la proposition de M. Legault à sa face même ne tient pas. La, la CAQ, arrêtons tout financement populaire, la CAQ continue de recevoir euh, pas loin de 5 millions de dollars, gardée solidaire, loin derrière à 1,7 million. Et le PQ que le vent dans les voiles euh, se contenterait d'un million 6, mmh. etc. Donc, à sa face même, ça ne tient pas. Mais moi, je pense que pour, pour revenir à, 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 à ce qu'a annoncé enfin la communication de M. Euh, premier ministre aujourd'hui, M. Mmh. Legault. C'est clair que là, il y en avait assez. Sa euh, rentrée euh, en, en, en vertu des grands principes de discipline et de concentration qu'il avait, sa rentrée parlementaire est ratée. Et là, je pense mmh. que ce matin, il dit c'est assez. C'est clair. Ouais. c'est mais... ça, ça se promenait autour de lui comme, comme une mais... bestiole en plein été. Mmh. Puis c'est clair. Il a pris un bazooka. Il s'est dit regarde, mmh. je mets ça derrière moi. Oh, je tue la une. Là. mais Paul, il avait dit plus de distractions. Non, c'est ça. Ah, oui. Je vais résumer la journée d'aujourd'hui. De... Ouais. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, la grosse affaire, puis j'avoue que moi, je suis très favorable à ça, c'est la réforme de la construction. Ouais. Tu veux être un gouvernement économique qui va construire beaucoup dans les prochaines années, puis qui ouais. veut construire plus ouais. vite, puis pour moins cher. Bien, moi, aujourd'hui, si je suis François Legault, je me mets un casse-blanc sur la tête de construction, puis j'en mets un à pour puis on s'en va sur un chantier, puis on fait une méga annonce, puis on parle de la construction. Aujourd'hui, la distraction, c'est hum. le point de presse pas rapport de François Legros avec une annonce pas rapport sur le financement pour ouais. une fausse crise, alors qu'il y a été une distraction pour une annonce majeure de son hiver. C'est ça l'affaire. Oui, t'as raison. Oui, puis, hum. puis c'est Emmanuel... ça qui est comme hallucinant dans tout ça. C'est quand on fait l'exégèse de l'automne, les distractions, ça a été quoi? Ça a été des, des réactions malavisées, mmh. émotives, à des, des tempêtes, des controverses ou une mauvaise journée. Et là, c'est comme si M. Legault refait la même erreur. Parce que sur le fond, de refuser qu'il y ait du financement populaire, c'est très néfaste pour la démocratie, il faut se le dire. Ah oui. Si les partis politiques ne sont exclusivement que financés par des subventions au pourvata mmh. du nombre de votes, mais tu condamnes éternellement. Les partis d'opposition à toujours hmm. se battre à armes inégales avec le gouvernement. Je veux dire, l'idée du financement populaire, c'est quand ça va bien, tu ramasses l'argent, tu as les moyens d'aller faire la guerre au gouvernement. Et puis, comment Alors, créer un nouveau parti politique? C'est l'autre question, hein, tu sais, dans, dans en un plus. contexte. Ben voilà, pour les petits partis, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la, la CAQ la n'aurait pas été créée euh, à l'époque. Puis, les courses au leadership, mm -hmm. tu fais ça comment, incidemment? Yasmine posait une bonne question à Cuba tout à l'heure. Euh, euh, Mme Guilbeault, la vice-première ministre, qui, en ce qu'on lit l'actualité, puis elle semble se préparer pour euh, une course au leadership. Comment on va faire pour se financer, étant donné que son patron euh, a dit que c'était plus possible maintenant? Euh, De belles questions, hein? Oui, tout à fait. Et on va mettre notre casque de construction blanc après la pause. Euh, et aussi, dans un moment, euh, on va parler des clauses d'amnistie qui, qui font énormément réagir dans le milieu de l'éducation. Le ministre Drinville qui plaide pour que les dossiers disciplinaires des enseignants les suivent tout au long de leur carrière.